tudo bem? Hoje eu tenho a honra de falar sobre Kivu, uma ficção em quadrinhos que chega, né, para denunciar uma situação real, né? São barbaridades, atrocidades que vêm sendo cometidas na África, acabando com vidas humanas e destruindo famílias em que as mulheres são as principais vítimas. O quadrinho foi roteirizado pelo veterano Jean Van Damme, que está por trás de Torgal, 13, Largo Winch e por trás dessa daqui, olha, Histórias Sem Heróis, que foi a primeira BD do Jean Van Damme que eu li na vida. Christophe Simon é o desenhista desta BD, ele que é bastante influenciado pela linha clara, já trabalhou com o falecido Jacques Martin em séries como Orion, Le Franc e Alix. E a história de Kivu começa na Bélgica, onde o François Dans trabalha no setor de marketing da Metalurco, uma multinacional que explora minérios no Kivu, uma região e antiga província do leste da República Democrática do Congo. Para sua surpresa, ele é convidado a fazer um trabalho no Kivu, no qual ele vai ter que escolher um novo homem de operações local, né, para controlar a exploração de coltan, um elemento indispensável à fabricação de smartphones. Esse minério é obtido ao custo de sangue e de barbaridades num cenário geopolítico extremamente complicado, numa África povoada por um grande número de etnias que não se toleram entre elas. Nesse ambiente terrível, as mulheres são corriqueiramente violentadas e mutiladas, salvas da morte pelo Dr. Mukwege, Prêmio Nobel da Paz, que montou um hospital, o Hospital Panzi, no Kivu, para dar continuidade a esse trabalho de extrema importância humanitária. O nobre doutor Mukwege é ajudado por Guy Bernard Cardier, professor de cirurgia na Universidade Livre de Bruxelas, que passa temporadas anuais no Kivu. Mas voltando aqui à história do François, já no Kivu, o destino dele vai mudar completamente quando o seu caminho cruzar o de Violette, uma criança congolesa, uma menina congolesa, né, perseguida por um poderoso chefe rebelde. Tá aí então um quadrinho fantástico, emocionante, né? Roteirizado pelo Midas da BD e magistralmente retratado, desenhado pelo Christophe Simon num traço realista impressionante. E é justamente com ele, o Christophe Simon, que a gente vai conversar agora, claro, né? Que a partir desse momento vou ter que falar com ele em francês. Bonjour, aujourd'hui on va parler avec Christophe Simon, un dessinateur belge très influencé par la ligne éclair. Comme j'ai déjà dit, il a travaillé avec Jacques Martin et il va répondre à quelques questions concernant Kivu, paru chez Le Lombard, dont il est le dessinateur sur un scénario de Jean Van Damme. Bonjour Christophe Simon, merci de nous accorder cette interview. Bonjour et tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez porté à l'album Kivu. Et pour commencer, puis-je-vous demander comment s'est déroulée votre collaboration avec Jean Van Damme, les Midas de la BD? Alors, ma collaboration avec Jean s'est vraiment très bien passée. Nous avions eu l'occasion de nous rencontrer pour la réalisation de l'album Corentin, les trois perles de Saskia, qui était un album hommage à Paul Cuvelier. Et donc qui était l'adaptation d'une nouvelle que Jean Van Damme avait écrite en 1975 et qu'il a eu la gentillesse de me laisser adapter. Et puis ben voilà, c'est pendant que je réalisais l'album de Corentin, ben il m'a contacté en me disant j'ai écrit un scénario qui parle du drame qui se passe actuellement au Kivu et j'aimerais bien que ce soit toi qui le dessine. Donc ben évidemment j'ai accepté. Et la collaboration s'est merveilleusement bien passée. Jean Van Damme a été d'une bienveillance absolue pendant toute la réalisation de l'album. Pourriez-vous nous parler de votre processus de documentation afin de réaliser cette BD? Pour réaliser cet album, je me suis rendu à Panzi, à la clinique du docteur Mukwege. J'accompagnais l'équipe médicale du docteur Guy Bernard Cadier, qui est un chirurgien belge qui se rend plusieurs fois par an pour assister Denis Mukwege pour certaines opérations. Donc pendant 8 jours, j'ai côtoyé bien sûr l'équipe médicale de Guy Bernard Cadier, mais également le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix.
Et j'ai vécu le quotidien de cet hôpital, d'où j'ai croisé le regard de ces femmes et de ces enfants, ce qui m'a profondément bouleversé. Est-ce facile pour vous de passer de l'aventure au drame? Alors, justement, le fait d'avoir été à ce point bouleversé, le passage de récits d'aventure traditionnels, comme j'avais fait auparavant avec Corentin ou avec Alix Lefranc quand je travaillais avec Jacques Martin, ben, s'est fait assez naturellement, puisqu'en fait, ça m'a permis d'extérioriser ce traumatisme vécu là-bas à Panzi. Comment votre expérience précédente avec Jacques Martin, à travers un trait réaliste et très précis, a-t-elle contribué à raconter cette histoire de Jean Van Damme? L'héritage de Jacques Martin dans l'album est essentiellement dans la rigueur documentaire avec laquelle je me suis efforcé de réaliser cet album. Donc, je sais qu'il y a eu une couverture alternative pour cette BD dans laquelle Violette est en train de crier au premier plan. Comment s'est déroulé le processus de choix pour cette couverture officielle de Kivu? Le choix de la couverture, en fait, il y a eu plusieurs projets et ça a été vraiment une décision collégiale prise entre Jean Van Damme, moi et toute l'équipe éditoriale du Lombard. Que pouvez-vous nous raconter par rapport aux couleurs de Kivu? Les coloriages de Kivu ont été réalisés par Alexandre Carpentier, mon compagnon, qui les a réalisés à l'aquarelle. Donc, comme tout l'album est réalisé de façon traditionnelle, c'est-à-dire à l'encre de Chine sur papier, et les coloriages ont été réalisés sur bleu de coloriage à l'aquarelle parce qu'on trouvait que c'était la technique qui collait le mieux à ce type d'histoire. Et Alexandre s'est basé sur les photos que j'avais prises à Panzi pour restituer au mieux les couleurs du Kivu. Donc, quelle est l'importance d'une BD comme celle-ci pour dénoncer des barbaries commises au cœur de l'Afrique? L'espoir avec cette bande dessinée, c'est de dénoncer cette réalité atroce et dont on ne parle jamais. Alors on ne changera sans doute pas le monde, mais si on peut au moins faire prendre conscience à certaines personnes, c'est déjà bien. Et puis le fait que l'album a eu pas mal de succès et qu'on a beaucoup parlé de la situation dramatique du Kivu, voilà, ça a au moins servi à ça. Quelle est votre BD préférée scénarisée par Jean Van Damme? Les bandes dessinées de Jean Van Damme que je préfère, c'est Le Grand Pouvoir du Schlénickel et SOS Bonheur. Connaissez-vous des dessinateurs brésiliens des bandes dessinées? Malheureusement, je ne connais pas de dessinateur brésilien et je le regrette bien. Tout comme je ne connais pas le Brésil, ce que je regrette aussi, vu que j'ai beaucoup d'admiration pour l'Amérique latine et que je ne me suis jamais rendu. Et quels sont vos projets BD pour l'avenir, Christophe Simon? Actuellement, je travaille sur un nouveau projet au Lombard, qui est une série avec Tristan Rouleau au scénario. C'est un peu tôt pour en parler vu qu'elle est programmée pour 2020, mais je peux déjà dire que je prends énormément de plaisir à la dessiner. Merci Christophe Simon de nous avoir consacré un peu de votre précieux temps pour nos fidèles lecteurs des BD au Brésil. Alors, ben voilà, je tiens à vous remercier pour aussi pour cet entretien. Et au revoir. Muito obrigado mais uma vez ao Christophe Simon por essa gentileza de nos dar esta entrevista histórica para o nosso canal. Parabéns aos dois autores, também ao Jean Van Damme, que é considerado Midas da BD, como a gente falou aqui. E é isso, né? Uma BD emocionante, comovente, dramática, tem um pouquinho de aventura também, e que denuncia uma situação, né, de barbárie, né, de atrocidades que são cometidas no coração da África. Eu espero que isso pare um dia e a gente volta o mais breve possível com mais um vídeo sobre banda desenhada. Valeu, gente. Obrigado.